Voici comment Rockstar Games vous a menti sur le trailer de GTA 6, mais dans le bon sens. En effet, vous avez sûrement vu le trailer de GTA 6, mais vous vous demandez sûrement à quoi ressemblera réellement le jeu comparé à ce trailer. Bien aujourd'hui, on a beaucoup de réponses à ces questions et vous allez voir que Rockstar Games vient justement vous mentir concernant les trailers. C'est avec des preuves et des sources à l'appui que je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est super intéressant. Pour faire simple, nous allons diviser cette vidéo en 3 parties. Premièrement, l'histoire de GTA 6. Deuxièmement, les modèles 3D tels que les voitures, les palmiers, enfin toute l'ambiance de GTA 6. Et pour terminer, nous terminerons sur les performances et les graphismes. Qu'est-ce qui est vrai dans ce fameux trailer ou faux? Nous allons le découvrir dès maintenant. La première bande-annonce de Grand Theft Auto 6 est peut-être la plus centrée sur l'histoire que n'importe quelle autre bande-annonce de Rockstar sur GTA ou Red Dead. Et j'imagine que les fuites ont quelque chose à voir avec cela. Dans cette bande-annonce, ils ont décidé de présenter nos personnages principaux qui sont Lucy et Jason. Début du trailer, Lucy est en prison et pourtant dans la suite du trailer, elle n'y est plus et fait des braquages avec Jason. Mais certains pensent que justement cette bande-annonce a été inversée. Vous allez voir que ça se confirme avec certaines anciennes bandes-annonces de GTA. Cependant, j'aimerais revenir sur certaines bandes-annonces précédentes que Rockstar a publiées pour leur jeu et vous montrer comment, même dans les bandes-annonces de GTA 4, il y a une scène ou deux qui n'ont tout simplement pas de sens. Par exemple, dans la bande-annonce de GTA 4, Nico peut être vu s'éloignant d'un bâtiment en feu avec une arme à la main. Ce qui implique que vous seriez peut-être en train d'être dans une fusillade dans ce bâtiment, peut-être que Nico y mettrait le feu. Mais pourtant, ceci a été entièrement utilisé pour un superbe plan de bande-annonce et rien d'autre dans le jeu final. Vous rencontrerez certes ce bâtiment en feu, mais bien sûr, c'est l'appartement de Roman, votre premier appartement. C'est le premier très grand tournant de l'histoire quand vous êtes obligé d'aller à Bohan pendant un moment. Donc en réalité, cette scène n'a existé que pour le trailer de GTA 4 et non pas pour l'histoire. Passons maintenant aux bandes-annonces de GTA 5. Il existe plusieurs cas de changement de caméra, des angles et des emplacements des scènes coupées pour mieux dissimuler les scènes d'histoire, ainsi que les missions qui sont mélangées afin que vous ne puissiez pas avoir idée de la façon dont tout cela est lié et du sens de l'histoire finale. Prologue apparaît même au milieu de la bande-annonce 2. Après avoir joué au jeu, nous pouvons maintenant reconnaître que ces plans proviennent de différentes parties de l'histoire et que chacun d'entre eux n'est vraiment mais vraiment pas cohérent. D'ailleurs, si on revient sur le trailer de GTA 6, quand on voit Jason et Lucia arriver en voiture vers la supérette pour la braquer, ce pourrait même que ce soit même pas vraiment cette supérette qu'ils aient braquée. Comme tout est mélangé, ça ne m'étonnerait même pas qu'ils aient pris un passage complètement au hasard, d'une mission complètement différente. Désormais passer aux véhicules et modèles 3D que l'on peut voir dans les bandes-annonces. Pour se prendre un exemple, on va prendre la bande-annonce de GTA 5. Dans la première bande-annonce de GTA 5, on peut voir un modèle de voiture de police GTA 4 qui est toujours utilisé avec un travail de peinture mis à jour. On peut clairement remarquer des badges de GTA 4 et le modèle de Stania qui a été mis à jour qu'ils ont créé pour GTA 5, la version civile qui n'a probablement jamais été prévue pour venir dans le jeu. Regardez dans cette scène, on peut apercevoir un hélicoptère de GTA 4 à peine modélisé, alors que c'est la bande-annonce de GTA 5. Même chose avec ce modèle d'ambulance qui a toujours la barre lumineuse de GTA 4. Même le modèle d'avion Hydra qui était dans la première bande-annonce n'a jamais fait son grand chemin vers le mode histoire de GTA 5. On peut apercevoir également des changements sur le visage de Michael dans la bande-annonce de GTA 5. Il est carrément différent et beaucoup moins beau que dans le vrai jeu, ce qui est plutôt positif. C'était également arrivé pour Nico dans GTA 4. Tout cela prouve que ce que vous voyez dans la bande-annonce de GTA 6 ne représente absolument pas la version du jeu final. D'ailleurs, si tu t'attardes un petit peu sur la bande-annonce de GTA 6, tu remarqueras qu'énormément de voitures de GTA 5 sont disponibles dans la nouvelle bande-annonce de GTA 6. Seulement, elles ont été très légèrement améliorées au niveau des peintures, des couleurs et de certains détails qui ont été améliorés. Cependant, il y a peu de chances qu'ils soient réellement en jeu. C'est uniquement pour le trailer. Notre modèle ne semble pas avoir changé du tout par rapport à GTA 5, comme par exemple le Carbon Acer qui travaille toujours avec sa peinture rouge classique. Des voitures comme celle-ci pourraient très bien être dans un espace réservé pour une mise à jour de la voiture de GTA 5, comme par exemple le Guépard.
certains espaces réservés pour une toute nouvelle version de la voiture, comme la voiture de la police que j'ai mentionnée plus tôt. Rappelez-vous que certaines voitures et véhicules pourrait même ne pas arriver au jeu final. Ça pourrait être exactement pareil pour les armes que vous voyez dans le trailer, elles ne pourraient très bien pas apparaître dans le jeu. Cela déçoit sûrement beaucoup de joueurs, mais ne vous inquiétez pas, 95% des voitures que vous voyez dans le trailer seront très probablement dans le jeu, soit au lancement ou soit ajoutées dans une mise à jour en ligne, voilà un DLC qui pourrait arriver après les premières mises à jour en ligne. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre trop à vouloir rouler précisément avec une voiture dans Vice City que vous avez vu dans la bande-annonce, car oui, c'est des voitures qui ne pourraient très bien pas être dans le jeu. Ce que j'ai à vous dire, c'est de revenir sur les anciennes bandes-annonces de GTA V et de voir la différence entre les voitures présentes actuellement dans le jeu et celles qui étaient dans le trailer. Si vous vous rendez sur le wiki de GTA, vous pourrez également voir les différents véhicules qui ont été modifiés dans chaque bande-annonce de GTA, comme les autres véhicules bêta qui ont été trouvés dans les fichiers du jeu. Il y a vraiment pas mal de choses intéressantes, donc je vous recommande d'aller voir. C'est vrai qu'à ce stade de la vidéo, on ne peut pas faire confiance aux bandes annonces pour décrire avec précision à quoi le jeu ressemblera lors de la sortie, pour une raison quelconque, au lieu de nous donner des aperçus précis à ce que nous allons jouer. Parfois Rockstar Games essaye de nous faire croire que les graphismes seront deux fois meilleurs qu'ils ne sont en réalité. Heureusement, c'est un domaine dans lequel les bandes annonces de Rockstar vous trompent, mais dans le bon sens. Chaque bande annonce Rockstar est capturée directement dans le moteur du jeu sur la matérielle cible, ce qui est une façon élégante de dire dans le jeu. Sauf que la version bande-annonce du jeu n'est pas encore vraiment optimisée, donc il faut faire beaucoup de coupures avec la caméra pour que tout fonctionne correctement. Ce que vous voyez dans la bande-annonce de GTA 6, c'est bel et bien la version PS5 et Xbox Series X. Toutes les scènes coupées sont également en temps réel, ce qui signifie qu'aucune d'entre elles n'est un fichier vidéo pré-rendu. Ces scènes sont toutes jouées en temps réel comme si vous jouiez au jeu sur votre propre matériel. Et Rockstar Games a toujours eu la même façon de faire depuis qu'ils ont commencé à sortir des jeux. Je peux d'ailleurs vous dire que si vous regardez la bande-annonce de GTA 4, elle se déroule entre 20 et 25 FPS, ce qui prouve que vraiment ça a été filmé sur le jeu, ce qui est très bas, mais bon, forcément YouTube compresse également un peu les trailers. Si l'on regarde la bande-annonce de GTA 5, on peut apercevoir de nombreuses textures en résolution inférieure, y compris les textures de Michael, mais il existe de nombreux arbres de résolution inférieure dans la vie végétale. Je vous le disais juste avant, la bande-annonce était également à nouveau en basse résolution à cause de YouTube, des vidéos qui étaient un peu plus compressées à l'époque, mais si l'on regarde GTA 6, cette première bande-annonce, on peut remarquer toujours cette petite compression qui ne donne pas le rendu final que l'on attend. J'ai vu beaucoup de personnes disant que le jeu GTA 6 ne serait pas aussi beau que dans la bande-annonce parce que c'était pas tourné avec le même moteur graphique et que c'était un pré-rendu, et bien sachez que c'est complètement faux et que tout ce que vous voyez actuellement dans la bande-annonce sera aussi beau, voire peut-être même mieux dans le jeu final, et franchement ça je peux vous l'affirmer étant donné que c'était une première version du jeu tournant sur une PS5. D'ailleurs la bande-annonce de GTA 6 est actuellement à 30 FPS, mais vous le savez, le jeu ne sera absolument pas à 30 FPS, il sera au minimum à 60 FPS, voire plus avec les capacités de console ou de PC. Conclusion, que faut-il penser de la bande-annonce de GTA 6 et à quoi s'attendre? Je pense que la bande-annonce de GTA 6 est une bonne représentation de ce que l'on pourra avoir dans le jeu. Cependant, faut s'attendre comme vu précédemment que certains véhicules ne seront pas présents dans le jeu ou seront totalement modifiés ou arriveront uniquement en ligne dans une nouvelle mise à jour. Le montage des analyses des anciennes bandes annonces nous montre que peut-être que cette bande annonce de GTA 6 nous montre énormément de choses provenant de GTA 5 qui seront en réalité remplacées dans la vraie version de GTA 6, ce qui peut annoncer uniquement du très lourd étant donné que beaucoup de gens ont aimé la physique justement de cette bande annonce de GTA 6. Tout le monde l'a trouvé incroyable avec des détails juste impressionnants, et pourtant c'est pas encore la version finale du jeu. Et ce qui est vraiment le plus rassurant pour moi, c'est que la bande annonce a été tournée sur une console de jeu que tout le monde pourrait utiliser, et donc on peut vraiment s'attendre à ce qu'on a vu dans la bande annonce, et ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous pensez de la bande annonce de GTA 6. Je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un gros pouce bleu, et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.